Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le grand moment est là devant nous et la Coupe du Monde aussi est là. Elle a été apportée il y a quelques minutes par la mannequin Pelika Padukone et le grand Iker Casillas. Elle est là, cette Coupe du Monde. Une finale de Coupe du Monde, c'est immense déjà, mais une finale avec l'espoir que l'équipe de France puisse accrocher sur son maillot bleu une troisième étoile, c'est encore plus grand, Bichente. On a tout dit sur ce France-Argentine, sur cette affiche somptueuse. On n'a qu'une seule envie maintenant, que ce match débute enfin, que l'histoire s'écrive sous nos yeux, parce que nos yeux, là, pour l'instant, ils sont pleins de rêves. Et c'est parti ! 22 acteurs, plus de 80 000 spectateurs, des centaines de millions. Angel Di Maria, encore une fois, face à Ousmane Dembélé. Le crochet a fonctionné. Attention, la faute. Attention, la faute. Voilà. Et pénalty pour l'Argentine. 21e minute de cette finale. Monsieur Marcignac n'a pas hésité un seul instant. À Hugo Lloris. Aïe, et ça passe. Le but de Lionel Messi est l'ouverture du score pour l'Argentine. Le sixième but de la Pulga dans cette Coupe du Monde. Cette finale est lancée, maintenant on va voir. Oh, pas de hors-jeu. Oh, attention sur le côté gauche, attention sur le côté gauche. Angel Di Maria. La contre-attaque est claire. Et le coup de poignard de la 36e minute sur cette action magnifiquement menée par l'Argentine. Et ça fait 2-0, Angel Di Maria. C'est terminé pour cette première période. Cette finale rentrera dans l'histoire si la France réussit à inverser le cours de ce match pour l'instant. De volume, de récupération, de harcèlement, c'est aussi un beau joueur. Et ça n'est pas sorti. Bravo Hugo Lloris face à Julian Alvarez. Ouais, Julian Alvarez là, ça frappe. Allez, Otamendi, passé devant. Et il y a faute. Pénalty. Ah, oh là, ça y est. 79e minute. Et c'est Randal Kolo Muani qui vient dans une ultime accélération. Et l'espoir peut-être avec Kylian Mbappé. 80e minute, la France est à un petit bout d'aller arracher une prolongation et c'est tout le banc qui s'est levé comme un seul homme pour enchaîner tout de suite, maintenant. Kingsley Coman avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez Kylian. Jouer avec Aminga. Oh, il l'avait relâché ce ballon, Emiliano Martinez, sur le frein d'Adrien Rabiot. Alors, allez. Messi, pas maintenant. Hugo Lloris. Oh là, il y aura corner à suivre. C'est terminé la prolongation dans cette finale. Encore une finale avec une prolongation, mais celle-ci, elle tombe du ciel. Celle-ci, c'est le cadeau de Noël une semaine avant l'heure. Aïe. Oh, quel tacle ! Upamecano est derrière la tête de Varane. Quel tacle de Dayot Upamecano face à Montiel. Aïe. Lautaro Martinez. Elle a été déviée ou pas ? Oui, parce qu'au milieu de terrain, là, attention, les Argentins, ils sont trois dans la surface de réparation. Lloris. C'est rentré, Grégoire. Il y a quelque chose. Non, c'est validé. Et à un moment donné, j'ai vu l'arbitre de touche lever son bras, c'est validé. Ça, en tout cas, il est rentré, on l'a vu. Avec Kylian Mbappé qui a été contré. Penalty, je crois. Il y a une main, non? Penalty. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai l'impression que... Et encore une fois... Incroyable ! Le triplé Kylian Mbappé ! Le triplé ! Eh oui ! Trois partout ! Pour l'instant, c'est tir au but, mais il va rester du...
Kylian. Allez, viens, allez, il allez, va allez, y aller. Allez, bien sûr, allez, qu'il va y aller. Martinez, oh, qui vient sauver l'Albi Céleste face à Randal Kolo Muani. Mais c'est fou. C'est fini. Bon, allez, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est fini. La première chose pour les tirs. La première chose. La première chose, c'est bravo. Bravo aux Argentins. Bravo aux Bleus. Allez, jamais 203. Kylian pour lancer idéalement cette séance. Oui, oui, il la touche. Il jamais 203. Tranquille, comme l'immense joueur qu'il est. Voilà, les deux maintenant. Allez, Kingsley bouge beaucoup sur sa ligne. Emiliano Martinez. Et le premier échec côté bleu pour Kingsley Coman. Wow. Oh là 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 là. Plein milieu là, plein milieu. Il est parti du de son côté gauche là, Hugo. Allez, Aurélien. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ouais, oh, il le touche. C'est pas vrai, mais... Il le touche, il le touche. Le Paredes qui va tout de suite aller voir Emiliano Martinez. Ce qu'a fait monsieur l'arbitre, là, de sortir le gardien pour pas qu'il fasse de provoque. Allez, il faut que ça passe, sinon... Oui. Sinon, l'Argentine est championne du monde. Pas encore. Ah ben, il a assuré à tout point de vue, Randal Kolo Muani. Roi. Du défenseur de Séville. Et ça passe. Là, là. Et ça passe. Et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la troisième fois dans son histoire. Et les pleurs sont partout.